J'habite dans deux pièces, 16 mètres carrés, au cinquième étage, sans ascenseur. Et je suis cassé de dos, je suis handicapé. Ils m'ont donné 2000 euros pour me taire. Et moi, je n'ai pas besoin de 2000 euros. Franchement, je n'ai pas besoin de 2000 euros. Moi, je demandais un logement pour mes enfants. Et dernièrement, là, ma fille de 3 ans, elle a eu l'asthme. Tellement qu'il y a le plan, la moisissure, tout ce que vous voulez. Il y a des dinosaures chez moi. Ça fait 10 ans que j'ai un dossier à la mairie, aucune réponse favorable. Et c'est pour ça qu'on est là, on lutte pour avoir un logement pour nos enfants. Je suis hébergée avec mes enfants chez des tiers. J'ai été expulsée en 2013 par mon bailleur. J'ai engagé un dossier d'Alou la première fois. Ils m'ont donné un refus. C'est mon propriétaire qui m'a mis un bail, un faux bail. J'ai un 27 mètres carrés, il m'a mis un 47 mètres carrés. Et c'est pour ça que j'ai des problèmes. En fait, c'est une bonne loi si elle est appliquée. Parce que là, jusqu'à présent, ce n'est pas tout le monde qui est relogé. Il y a des cas qui sont vraiment dans des conditions très défavorables. Mais jusqu'à présent, ils n'ont rien eu, aucune proposition. Il faut lutter. Il faut lutter pour avoir quelque chose. Motivé, motivé. Il faut rester motivé. Un studio avec mes enfants, mon mari, j'ai ma mère. Et voilà, un enfant très très handicapé à 80% et j'ai pas de suite. J'ai eu quand même l'occasion d'avoir un logement d'Alo et j'ai accédé au... Ça fonctionnait pour moi. J'espère que ça peut fonctionner pour d'autres aussi. Il y a des gens qui travaillent, ils ont des CDI, ils se lèvent à 5h du matin les bosser pour payer après les impôts et tout ça. Et en fin de compte, ils dorment dans des voitures. Moi, je les ai vus, ils dorment dans des voitures. Il y a des gens qui dorment dans des voitures. Vous imaginez? Ça n'a pas de sens pour moi parce que quand on dit la loi d'Alo, c'est pour reloger les gens et jusqu'à on est toujours au même point de départ. Vraiment, mon cœur saigne parce que c'est un pays, c'est mon pays. Je l'aime, mon pays, mais vraiment, mon cœur saigne parce qu'il faut faire sortir mes deux enfants pour que la plus grande puisse apprendre ses leçons correctement. Dans une seule chambre, vraiment 5 personnes dans 12 mètres carrés, la maison est humide. Ils sont tout le temps malades, je suis tout le temps à l'hôpital. Donc vraiment, s'il faut travailler pour simplement soigner les enfants, donc moi je ne vois pas que ça vaut la peine quoi. Tu montes ta maison, c'est ici que tu vis, tu montes un à un. C'est que je vis 8 ans. 8 ans. Tu es né dedans. Je suis née dedans. Même là, j'ai tourné un petit film. Ça fait 8 ans que je vis dedans avec ma fille. Elle n'a pas une vie, moi aussi, je n'ai pas une vie. C'est 9 mètres carrés. Et même là, même elle a eu des problèmes à l'école. Elle voit des psychologues parce que... Elle est trop troublante à l'école, elle bouge beaucoup, donc ça joue si elle est à l'école. Il y a peine d'espace pour elle. Donc franchement, là aujourd'hui, nous, ouais, on souffre. Mais j'ai une seule fille, parce que là, je peux pas me permettre pour faire un autre enfant. Pour... Déjà, elle vit mal, je ne peux pas rajouter. Je suis vraiment déçue. Je suis déçue de mon pays.